Salut les copains, c'est Furious Fraser, fait qu'on se retrouve pour Master V, Minecraft, Femme de Fog. Mais la seule petite chose, c'est que j'ai dû refaire entièrement mon modpack parce que j'ai voulu rajouter des mods puis il y avait de quoi qui marchait pas, fait que c'est parti. Fait que là, j'ai dû refaire entièrement mon modpack puis là, ben c'est parti. J'ai créé cette game là, mais c'est ça, j'ai rien fait, j'ai juste généré le monde puis c'est ça. Fait que let's go. Non, c'est pas créé, c'est joué. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah. Erreur, entité inconnue. Minecraft a détecté une entité inconnue dans ce monde. Il est recommandé de ne pas rejoindre. Ignorer cet avertissement peut engendrer des phénomènes et ou des rencontres étranges. Souvenez-vous de ne regarder... Hein? Ils savent pas écrire? Souvenez-vous. Ne regardez pas les bugs dans les yeux. Ok, non, c'est juste moi qui sais pas les. Bon, pas rassurant, mais bon, let's go. Je suis un bonhomme, fait qu'on se laissera pas faire. Puis j'ai vous derrière moi pour m'épauler aussi d'ailleurs. Hein? Fait que merci pour votre soutien, les copains et les copines. Ben, fait qu'en principe, c'est supposé d'être les mêmes modpacks, puis les mêmes shaders, puis ainsi de suite. Mais les modes sont quelque peu différents. J'ai ôté quelques monstres, mais les ceux que j'ai mis, par contre, ils niaiseront pas avec moi. Ils feront pas juste faire peur ou me faire faire le saut comme les anciens. Fait que ça devrait être intéressant. Moi, perso, j'aime bien commencer avec un coffre bonus. Mais là, je sais pas aussi que le jeu l'a fait spawn. You, mon coffre. Bon, là, il y a de la neige. Tant qu'il n'y a pas de poudreuse. Yo mon keuf. Bon, fait que là, normalement, la première journée, ça devrait être un peu plus tranquille que si vous l'avez vu dans mon autre série. Ah, il est là. Ah oui, c'est pas cette... C'est pas cette ressource pack-là que je voulais. Attendez, on va changer. Non, c'est pas toi que je veux, c'est lequel que je veux. Ah oui, c'est lui, le 526. Bon, fait que c'est ça. Si je me trompe pas, c'est lui que je voulais. Pas grave, j'ai oublié de le changer dans mes options. C'est fait. Ça va avoir pris 30 secondes dans la vidéo, même pas. Voilà, c'est fait. Ah, beaucoup mieux. N'est-ce pas les copains? Ah oui, c'est stylé, hein? Les feuilles. Nice, bon. Mais là, il va être temps que je me concentre un peu, parce que je vais finir par me faire avoir. Déjà, quand la musique de Minecraft arrête, ça me rassure pas. Bon, fait que là, j'ai mon matériel de base. On va ramasser un peu de bois, même si j'en ai un petit peu déjà. Ça reste la base de Minecraft, quoi. Fait que oui, perso, j'adore le modpack que je me suis fait. Il y en a beaucoup qui utilisent des mods déjà faits ou qu'on a fait pour eux, mais c'est ça. Moi, j'ai toujours préféré faire mes mods moi-même. Comme ça, il y a ce que je veux dedans. Et rien de plus. Puis je sais qu'avec l'ordi que j'ai, ben que c'est à partir d'un modpack de 350 mods, va être capable de jouer, mais ça va laguer. Je vous mentirai pas. Est rendu où la musique rassurante de Minecraft? Bon, à date, c'est pas super parce qu'il y a rien, il y a pas de bruit, il y a rien eu à date. Mais je sens déjà l'ambiance des modes que j'ai mis. Il y en a certains que j'avais pas dans l'autre mode, mais on n'a tellement pas croisé, on en avait croisé juste deux, je pense. Non, trois. Non, deux. Le mouton puis Alex, ouais, c'est ça. Ah non, trois, avec un Robarain. Mais voyons, ma mémoire me joue des tours. Je pense que je vais m'établir direct là sur l'île. Ça me semble un bon coin. Oh que c'est beau. Ah, la belle montagne. Ah, c'est nice. Yeah.
Ah oui, c'est nice. J'aime bien. J'ai déjà l'impression de voir des affaires qui me surveillent. Bon, avant de commencer à me faire des outils de base. Ah, c'est des poissons volants qui se noient, je m'en allais dire. Bon, puis dans cette série, un peu comme dans l'autre, je vais essayer de couper le moins de choses que possible. Non, ça va mieux avec la pelle. Pas rassuré, hein, depuis que le jeu de base, depuis que la musique de base dans Minecraft a arrêté. Mais bon, je répète qu'au début, c'est supposé d'être tranquille puis normal. Ça, c'est pas rassurant, mais je sais c'est quel mob. C'est le seul que j'avais vu dans la dernière vidéo, le seul que j'ai affronté puis que j'ai tué, le mouton crieur. Normalement, c'est lui. Fait que soit il y en a un qui spawn pas loin. Soit au contraire. Non, mais je pense que c'est plus que quelqu'un qui dispawn au contraire qui crie. Parce que là, j'ai beau essayer de trouver où c'est qu'il est. Je ne le vois pas. Bon, tant pis. Puis là, il va quand même falloir que je fasse ça vite parce qu'il est quand même déjà 6 heures le soir. Fait que la nuit, elle se rapproche. Bof, dans le pire des cas, on va faire comme je fais souvent. On va me creuser un trou dans le sol les 2-3 premières nuits, puis ça va être la job. Ça va faire la job plutôt. J'avais pas fait 2 pelles. Rassuré. Mais c'est ça, comme je disais, c'est avec le temps que les choses vont empirer. Normalement, avec le temps, ils devraient se mettre à avoir plus de mobs, pardon, qui spawnent. Puis ils vont se mettre à être de plus en plus agressifs normalement aussi. Ah non, depuis que j'ai attendu le cri, je me surveille. Hein? En même temps, c'est fou, parce que en même temps, je suis comme la plupart du monde qui aime pas les jeux d'horreur, mais en même temps, ça me fascine, puis à un point tel que je peux pas m'empêcher d'y jouer pareil. La curiosité, il prend le dessus. Bon, là, il est presque 8 heures. Je vais aller en profiter et me ramasser un peu de pierre. Probablement un peu de charbon aussi, si j'ai le temps. Bon, fait que normalement, j'ai besoin d'au moins 15 de pierre. Pour commencer. Je dois être correct. Ah ben j'en ai 15 piles. On va en prendre 4 de plus. Puis comme je l'avais dit, avec un peu de charbon qui est juste là, fait que ça tombe bien. Ah ah, il y a un point, 2 points rouges pas loin. Fait que oui, c'est peut-être le mouton qu'on a entendu gueuler il y a pas longtemps. Ça ressemblait à lui.
Bon, ça suffit. Bon, on va en prendre deux autres. Puis là, c'est vrai qu'on se casse parce que ça va être la nuit. Il est rendu 9 h le soir. Mais bon, normalement, j'imagine que me mettre sur la petite île qui est là, je devrais être en sécurité. À part les monstres qui vont se pendre sur mon île. Il devrait pas avoir grand mob qui est capable de m'atteindre. Bon, fait comme je le pensais, on va se creuser un trou. Puis je vais passer ma nuit dans le trou. Fait que je suis en sécurité, normalement. Bon, fait que là, c'est l'aube. Fait que normalement, on va pouvoir aller commencer à remonter à la surface. Ah oui, on la faudrait de cette échelle. Ouais, j'aurais pas tout à fait assez. Il me manque une échelle. Puis un bâton pour faire d'autres échelles. Il me restait plus de bois. Ah non. Bonjour, y a quelqu'un? Non, y a personne. Bon, fait que là, oui, j'ai besoin de bois, mais comme je vous ai dit, la priorité, ce serait que vraiment que je me trouve du fer. Fait que je vais retourner sur cette montagne-là. Ah. Des noyés. Ils font mal, eux. Aïe. Ils viennent pas. Ils ont l'air de m'avoir lâché. Bon, fait que à première vue, je vois pas de fer. Aïe. Aïe! Une grande quantité de pierre de même ou vert, puis même pas une pierre. Ah, nice. Merci le jeu. Ça, c'est du charbon. Ouais. Prendrais aussi de la laine, effectivement, quand je pense à ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de fer? C'est facile à trouver ici habituellement. Bon. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est pas dans ces forêts-là qu'on trouve des pioches de même. Dans le doute, on touchera pas à cette pyramide chelou là au cas où que
ça fasse apparaître des trucs pas très gentils. Est-ce que je vais en trouver du fer ici? Toujours pas. Bon, ben toi, tu me fais chier. De toute façon, j'ai besoin de ton bois. Ouais. Moi qui pensais que c'était un boss spawn puis que je trouverais... Oh! Ça, c'est pas pire, mais je pourrais pas le miner par contre. Oula! C'est pas moi qui est fou. J'ai entendu des bruits de pas dans l'herbe. Je suis sur de la pierre. Allez, courage, t'es le cœur. Retourne-toi et regarde ce qu'il y a derrière toi avant que tu te fasses bouffer par quelque chose de... Y'a rien? J'ai eu peur. J'ai eu un coup de stress. Oh, tu fais. Yay! Ah, c'est un début. Mes premiers lingots de fer. Au moins ici, c'est pas pire. S'il y a un monstre qui m'attaque, je saute dans l'eau, puis voilà. Bon. Merci, bonsoir, c'est réglé. Fait que j'ai pas trouvé autant de fer que je le voulais. J'étais sûr que j'en trouverais pas mal plus. Ça, c'est du charbon. Aïe. Oh non, encore eux. Non! Non, vous m'aurez pas. Pitié, tuez-moi pas, s'il vous plaît. La technique des zigzags. Fou. Ah oui, ils font mal. Ils ont pas assez proche de m'assassiner eux autres. Ah ah, il y a de l'air d'avoir une caverne là, pas loin. Là, c'est surtout de la bouffe, j'aurais besoin aussi. J'en ai déjà pu. Bon. Fait que là, je vais essayer de trouver de la bouffe. Limite, m'a continué de manger ce que je mangeais à date, hein? Des pommes. Ah oui, t'es gros l'arbre. Ouh, pas joli, papam.
que la seule chose que je sais, c'est que pour passer cette nuit, ça va me prendre plus de pommes. Hein? Ah oui, il y a un grand arbre. Forcément, des grands arbres, on a plus de chances de pogner plus de pommes. Lui, on va le couper aussi. Ouais, il m'a pas donné de pomme pantoute en fait. Ah oui, deux. Chnut. Ça fait chier quand ça arrive. Ouais, c'est vrai. Je voulais regarder aussi si je trouverais pas un peu de fer. J'ai encore le temps. Il est 8h30. La laine aussi, d'ailleurs. Ce serait très, très pratique. C'est quoi ça? Ah, une chèvre. Elle m'a fait peur. Bon, il y a un petit peu de fer ici. Après ça, je vais me casser. Allez, à la base. Bon, fait que là, ça me fait 6 de fer. Ah, ça me fait peur, la chèvre. Ouais, ça c'est une autre chose, parce que en essayant de trouver ce mob-là, il y en a un qui, mob qui s'appelle le Goat, le Goatman, ouais. Puis c'est des chèvres. Un peu comme le mouton. Ils te font à croire que c'est une chèvre normale, mais elle a les yeux rouges, puis quand tu t'approches, ben elle se transforme en monstre. Mais bon, normalement, j'en ai pas mis de ce mob-là dans ma map, fait qu'on devrait être correct. Ah, il est là, mon trou. Mon trou, j'ai retrouvé mon trou. Ah. Bon, fait que... Bien. Nous y revoici. Fait que là, la nuit est pas mal toute passée. J'ai fait un deuxième sous-sol à ma base pour agrandir un peu. Si jamais j'ai besoin. Ben oui, j'en ai en masse du bois là-dedans. Ah. Wesh. Ah non, il est en... Ah non, il est dehors. Bon, fait que si les monstres crament, ça c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment la preuve que c'est le jour. Oui, c'est ça. Faire les planches. Ah, c'est pas le même bois, je note. Ça c'est du chêne. Non, même pas, c'est du bouleau. Ah ah. Bon, fait que là, on va revenir à surface. Bon, à part le squelette, effectivement, j'ai la paix. Hein? Là, encore une fois, il s'est rien passé de bien spécial. À part le fait que je stresse pour rien. Bien sûr.
Ouais. Moins. Moins, moins, moins. Il n'y a toujours pas de l'air d'avoir plus de. Toujours pas bien, bien de faire ici. Ok, je me demandais c'était quoi. C'est juste une liane. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ah, je suis une lutte. Pourquoi il y a une armée de zombies? Puis qu'ils ont de l'armure? Bizarre ça, les squelettes habituellement quand ils ont de l'armure, ils ont un casque ou quelque chose, mais là il n'y avait rien. Ah, oh, il y a du fer là-bas. Ben. Ça dépend des fois, mais là le jeu ça a l'air qu'il a décidé de pas être très généreux avec moi côté fer. Ah, il y en a un petit peu dans le fond là. Mais je suis pas rassuré. Il est supposé d'en avoir des monstres qui spawnent en pleine caverne de même. Ah ouais, le fer il est trop bas. 5 de fer, ouais. C'est un peu trop haut, faudrait que je revienne avec un seau. Qu'est-ce que... Scrapstone. C'est la lave qui a fait ça. Encore une fois, ça m'a donné l'impression que quelqu'un courait pas loin de moi. Mais bon. Comme ils disent, ça doit être mon imagination. Chnut. Ah, c'est quoi cette... Non, avant que j'oublie, on va commencer par manger. Minerai d'émeraude. Ah, ah, ben oui, c'est vrai, je suis dans une montagne. Oh oh, c'est la nuit. Je suis pas rassuré, les copains. J'ai quasiment le goût de passer la nuit dans la caverne. Ah oh, merde. Ah, chnut. Oh là là. Oh là là, là je suis pas rassuré. Là il y a clairement une entité pas loin de moi. Feeling watched. Oh là là. Oh là là. Ça a pas été si pire que ça, mais à seconde j'ai vu l'achèvement puis une espèce de goutte de sang. Mon cœur a été serré tout d'un coup. Et merde. Et merde. Ah, chnut. Oh là là. Je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Clairement, il m'a trouvé puis il est en train de péter les blocs à haut de moi pour m'avoir. Oh là là. J'ai plus le goût. J'ai plus le goût. Ah, oh, c'est quoi cette manche-là? Bordel. Moi qui chialais, qui se passait rien.
Je suis pas serein. J'ai pas trop le goût d'y retourner, mettons. Fait que j'ai le choix. Soit je fais rien, je ferme mes yeux, puis je me laisse me faire bouffer. Ou au contraire, je prends mon courage à deux mains, puis j'essaie d'affronter le monstre du mieux que je peux, puis il y a des très grandes chances que je me fasse bouffer. Mais j'avoue que si je me fais bouffer, au moins je vais respawn à ma base. Mais c'est ça, il va falloir que je recommence mon stock. Allez, courage, Tiluk. Allez, je t'ai un bonhomme. Puis je t'ai avec vous, les copains. J'ai votre soutien. Ok, let's go. Ah! Ah oui, c'est lui. Ah, chnut. Ah, ben voilà. C'est lui, le man, femme de fog. C'est lui qui m'a tué. 92, c'est merdique comme score. Ben là, comme je le pense, c'est au moins là, je suis dans ma base. Là, au moins, je peux dormir en sécurité. excusez, pardon. Ben. Ben écoutez, au moins, il va essayer de passer quelque chose. C'est déjà ça. Fait que ça, c'est good. Certes, la vidéo va avoir duré un certain temps. Puis oui, j'ai pas fait grand-chose. Mais au moins, il s'est passé quelque chose. J'ai rencontré The Man of the Frog. Je me rappelle plus comment il s'appelle, ce monstre-là. Mais oui, il est pas rassurant. Puis c'est ça. Clairement, comme on l'a vu, il est capable de briser les blocs, le tabarnouche. Fait que même dans ma base, je serais pas en sécurité. Ah non. C'est curse. C'est pas normal qu'il y ait une pyramide de même autour de l'eau. OM. Dans l'eau. Mon bateau, il est plus là. Ah non, c'est vrai, je l'avais amené pour aller là-bas. En tout cas, je sais pas ce que c'est la pyramide là-bas, mais c'est clairement pas naturel. Ça doit être sûrement un des monstres que j'ai mis dans mon mode qui. Bon, fait que c'est ça. Comme je le disais, on va arrêter là. Au moins, j'ai ma position de là où je suis mort la dernière fois. Fait que j'ai peut-être une chance de récupérer mon stock si le Man of the Fog il est pas là. À m'attendre. Bon. Fait qu'écoutez, j'espère sincèrement qu'elle va vous avoir plu pareil, même si c'est pas juste de quoi à la fin. Fait que même si de m'avoir regardé, fait que je vous dis prenez soin de vous, puis n'hésitez pas à liker, puis à vous abonner si vous avez aimé ça pour ne pas manquer la suite. Fait que prenez soin de vous. Bye bye les copains!